Attaché ici à ce qui est compétition moto ou auto puisse se dérouler, y compris sur des territoires en nature comme les nôtres. Donc c'était important particulièrement cette année, avec le décalage qu'il y a eu de quelques mois, qu'on puisse être la première épreuve de terre cette saison. C'était important effectivement. Et on montre qu'il y a 150 engagés, donc il y avait une envie aussi du côté des pilotes et des écuries de pouvoir participer à ce genre d'épreuve. Et comme c'est dit par la totalité des pilotes, les spéciales sont magnifiques, l'organisation est au top, donc ça permet de faire un super rallye. Une vraie fierté pour la Ligue que de redémarrer ce championnat de France des rallyes terre sur ce terre de Lozère, qui est une des organisations, je crois l'organisation la mieux notée l'année dernière au niveau du championnat de France des rallyes terre.
Donc ouais, effectivement, c'est un chouette, vraiment un chouette moment de sport et de rencontre. Après la période qu'on a vécue, se retrouver ici, bah, je crois qu'on avait tous envie, quoi. Cette reprise du championnat, c'est toujours un rallye qui est assez prisé, rapide, parfois cassant, mais très roulant comme je pense ce week-end. Donc c'est important d'être présent, je pense que les concurrents ont répondu à l'appel. Pour nous c'est un bon signe également, on avait un nombre record de voitures de la catégorie R5, un peu la catégorie reine, avec pas mal de jeunes pilotes. Donc c'est un très bon début et évidemment on attendait la reprise en Lozère avec grand plaisir. Nouvelle Polo R5, les dernières, vraiment, c'est les dernières générations. Super. On a la 20e, si ma mémoire est bonne.